Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve donc pour un petit match de Blood Bowl. Donc on vient juste de trouver un match, là ça a mis un petit peu de temps, donc je lance l'enregistrement hein, comme ça, vite fait. Donc je vais jouer avec une équipe toute neuve, de Nains du Chaos, que je ne connais pas du tout. Donc on va avoir l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe. Alors on a la TV la plus basse, donc je sais pas trop ce qu'il a en face, mais étant donné que mon équipe est toute neuve, sans aucun XP et tout, le mec a réussi à avoir une TV plus basse que moi, soit il s'est fait dépiauter, soit il a vraiment pas pris beaucoup de perso, je ne sais pas, nous verrons. C'est censé être des vampires je crois, donc on va voir ça. J'espère que les réglages sonores seront bons, parce que le jeu a tendance à partir un peu en sucette avec les... avec la musique, donc j'espère que ça va le faire quand même. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Un pot de vin et Helmut. Qu'est-ce qu'il y a, Helmut? Un champion. Ah oui, c'est un mec avec sa tronçonneuse, très bien. Et bah go. Ah, j'espère que la porte d'entrée est fermée à double tour et le téléphone décroché. Oh oui, c'est l'heure du match. Et rien, je dis bien rien, ne doit jamais s'interposer entre un coach et un match de Blood Bowl. Alors, on va voir si je suis pas trop rouillé. Donc là, on joue en open ladder sur le Chaos, la Cabal Vision League officielle. Hein. Je sais pas du tout comment les gens jouent. J'ai cru voir, je lisais le chat en attendant qu'il y a pas mal de gens qui ont tendance à se barrer dès qu'ils ont raté deux jets. Donc bah, on va voir comment ça se passe de notre côté. On va essayer de pas stalker, de jouer un Blood Bowl propre, si on peut dire ça. Enfin, on va déjà essayer de ramasser la balle parce qu'avec le nain du chaos, pas gagné. Alors, ok. Donc on va affronter des vampires avec un mec à tronçonneuse. Très bien. Que donne le toss? Est au beau fixe. Parfait pour jouer au Blood Bowl, comme qui dirait. Parfait, c'est chiant. Regardez. Alors, on est en défense. Non. Alors, je sais pas ce que c'est que cette défense bidon, mais non. Donc on va mettre les nains quand même devant, ils sont là quand même pour encaisser des jetons. Hein. Par contre on va se faire une défense un petit peu plus en profondeur derrière. Sachant que je ne connais pas du tout ces joueurs. Hein. Je sais qu'on a plus ou moins... les hobgoblins pour jouer le ballon, si on peut dire ça ainsi. Ouais, bah on est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc on a... Non, lui a 3 relances, un pot de vin, nous on a une seule relance. Mais on a un apothicaire par contre. Ok. Bon bah déjà on a un mec plutôt poli en face, c'est assez bon signe. On va dire. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a deux vampires en fait seulement. Le reste c'est que du serviteur. Il n'y a que du level 1, fais-je un peu les comptes. Ouais, il n'y a que du level 1 comme moi, parfait. Donc il y a son héros, il a pris un pot de vin, donc il va falloir qu'on essaie de s'en débarrasser si on peut. On va voir un peu comment on peut gérer ça. Vampire, vampire. Les vampires, ils ont leur hypnose qui est un peu relou. Mais va falloir qu'on essaie de les isoler du coup de leurs serviteurs. Bon, ça va pas être facile avec deux vampires et autant de serviteurs. Il y a moyen que ce soit pas trop facile de les isoler. On verra. Ce qui est bien avec le Blood Bowl, c'est que c'est fichtrement fédérateur. Alors, on va faire simple. Hein, voilà.
Le coup de botte du centaure taureau là, forcément c'est pas hyper précis. En plus bon, notre défense est un peu à chier hein, comme vous pouvez le voir. Je les ai placés un peu en mode voilà, en face c'est des serviteurs, ils vont pas faire des miracles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par faire une cage ou un truc du genre, nous allons voir. Étrangement il a mis son mec derrière. Il va falloir qu'il blisse du coup s'il veut s'en servir. Oui, j'aime faire des trous comme ça, tout à fait. Purement pour le plaisir de lui dire vas-y viens là. Fais-toi plaise. Sachant que enfin en face on a quand même des nanus KO qui ont une agilité de merde mais qui ont quand même des comps assez sympas, et puis des centaures taureaux qui ont pas mal de mouvements et qui ont 4 de force quoi. Donc là je peux complètement leur foncer dessus si je veux. Bon, après c'est sûr, s'il fait des 6 avec ses serviteurs, ça va être plus difficile, forcément. Mon centaure, au niveau mouvement, je peux pas le voir. S'il pourrait complètement aller jusque là éventuellement. En tant que j'ai dégagé le chemin bien sûr. Okay. Pour découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Bon, les hobgoblins, c'est les mecs qui sont censés jouer la balle, hein. Mais enfin, dans l'équipe de Nains du Chaos en tout cas. Et ils ont aucune comp, 7 d'armure, c'est un peu du HT. Hein. Bon, cela dit, il fait quand même déjà assez intéressant pour l'instant. Ah, il a raté sa soif de sang apparemment. Hop là, une bonne chose de faite. Une petite blessure. Non, il est juste sonné, dommage. Dommage, dommage. Bon, bah va falloir qu'on s'occupe du coup de ce côté-là du terrain. Ils ont 3 de force, les nains du chaos. Hein. Les vampires, ils ont combien? Ils ont 4 de force et 4 d'AG, oui, c'est du vampire. Ah oui, ok, il y va direct l'agression avec son mec à la tronçonneuse. Ah. Sonné, bon ça va. C'est pas pire. Alors, où va la balle? La balle va là, très bien. Non, la balle recule. Ok, à nous. Alors déjà, on va relever lui. Ici, on a du rouge, puisque... Ouais. On va aller importer du renfort. Est-ce que ça vaut le coup d'amener du renfort avec un nain? Je ne suis pas sûr. On va plutôt aller par là avec lui. Ici, on va amener un petit peu de renfort avec lui. Voilà. Il faudrait qu'on ait également un petit peu plus de dés ici, tant qu'à faire. Sachant que là on va avoir un seul dé avec Blitz, on tente. Parfait, ça passe. On reste. Ouch. Alors, donc on ne peut pas passer là, oui il y a une esquive à faire, c'est un peu dommage. Ici, on a un dé. Nous, on va le ramener là. Ah, les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Oui, non. Là, on va faire un petit blitz, hein, histoire de renvoyer un petit peu les serviteurs là où ils feront un peu moins chier le monde, c'est-à-dire dehors. Poursuit. Alors ensuite ici,
Ouais, on va faire les petits jets sur les vampires. Si on peut. Peut-être pas les coucher, mais au moins les gêner, ce sera ça de fait. Ah, bordel. Bon, bah voilà, on a gris notre première relance, comme ça c'est fait. Notre seule et unique relance. C'est ben triste. Alors, voyons voir. Donc là, il a moyen d'essayer de faire le tour, mais bon, ça reste un serviteur avec 6 de mouvement. Hein. C'est pour ça que je suis pas non plus ultra dans l'inquiétude. Ils ont aucune comp, donc il peut tenter des passes, mais il y a moyen que ça se passe pas bien. Allez les gars, tous ensemble. Ah, bien joué. Pire que moi, quoi. Bon, c'est pareil, passer l'armure des nains du chaos avec 9, ça c'est quand même plutôt correct. Hein. Ils ont tous 9 d'armure sauf les hobgoblins qui en ont 7. On va voir comment ça se passe. Bon, je sais pas si c'est quelqu'un qui se lance un peu comme moi avec, avec son équipe. Pas, mais en tout cas il joue tranquille. Est-ce qu'il me va bien? Parce que c'est vrai que pour le coup... Ouais. Là lui je l'ai mal placé, hein, parce que du coup ça m'a empêché de passer là pour aller blitzer le porteur de balles malheureusement. Alors, il reloupe sa soif de sang, on dirait. Comme il a passé sa relance, bah du coup c'est ballot. Je me suis toujours un bon suceur doit savoir s'arrêter au bon moment. Mon château de revanche, je crois, de serviteur dévoué. Peut-être, mais ils n'ont pas tous le sang aussi succulent. Pas con, hein, il a bu le sang de celui qui était déjà à terre. Ah, il continue d'essayer de buter mon nain avec sa tronçonneuse. Mais il a quand même. Il a quand même une bonne armure, Damien. Là. Bon, par contre, l'arbitre, rien à foutre quoi. Ce serait bien qu'il claque son pot de vin pour l'empêcher de sortir alors qu'il me fait une agression. Parce que du coup, à la prochaine mi-temps, au prochain ballon qui passe, comme ça au moins on n'entend plus parler. Ah, il fait une passe à un vampire, pas con. Le ballon se transmet avec une réjouissante efficacité. Intéressant. D'ailleurs, il peut jouer avec lui, hein, donc il recule, ok, très bien. La vache. Alors, bon bah là, on va peut-être pas... Ouais, attends, il va pas très loin, lui. On va envoyer lui pour marquer celui-là, pas la peine d'utiliser nos centaures et autres trucs un peu plus précieux pour ça. Qui salit pour vous tomber dessus. Ça peut faire très mal. Ici on va essayer de se rapprocher un peu de la mêlée. Voilà. Toi bah tu vas revenir ici, s'il te plaît. Alors ici on pourrait blitzer avec lui mais c'est clairement une idée de merde. Par contre non. Hop là, on va venir marquer un petit peu avec notre petit hobgoblin, voilà, le tranquillement. Porteur risque le plaquage. C'est le genre de situation que j'adore. Ici on va se poser là pour marquer ces gens. Toi aussi s'il te plaît. Est-ce qu'on peut blitzer celui-là? Oui, on peut complètement blitzer celui-là. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs plus intéressants avant? Par exemple, blitzer lui, à 1D. Ouais, c'est bof quand même. On va quand même essayer de se rapprocher un petit peu de la balle. Il va se faire aider, cette espèce de... Ici, pareil, on va y aller pour essayer de se rapprocher un petit peu du ballon, si on peut. Qu'est-ce qu'il a comme compétence? J'ai loupé un truc. Ah, il a stabilité, d'accord, ok.
Ce joueur est un véritable... Désolé de la... Voilà, ça c'est fait, la tronçonneuse blessée. Hop là. Bien joué. Avancer, non, on va pas avancer. Et ici... On va se mettre... on peut pas aller jusque là, hein, malheureusement. Enfin, ça mettrait mettre le paquet une fois... Pour avoir 2 dés, ouais, si c'est tentant quand même. On va tenter un petit mettre le paquet. Ça passe. Du coup, là, on a 2 dés. Ça passe aussi. On poursuit. Voilà. Et on est un petit peu au contact avec la balle. Un petit peu. On va aller sur du nain quand même. Pas se laisser non plus trop piétiner la tronche. Donc oui, j'ai laissé lui tout seul, mais il peut pas faire grand chose tout seul. Hein. On va pas essayer de me blitzer, effectivement. Il peut faire ça. Enfin, ça voudrait dire qu'il compte vraiment faire une passe de là avec son vampire jusqu'à un serviteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah bah raté. Alors la petite relance qui va bien. Il s'acharne sur ce pauvre joueur. Ah, cette fois ça passe. Sandwich. Ah, ça pique. Oh, une bonne mise au bah une oui, bah non, on va pas utiliser un apothicaire pour un hobgoblin qui en plus n'a rien de particulier comme blessure. Là il va vraiment tenter la passe. Non, il va pas tenter la passe quand même. Bon, ok, on a que des mecs avec de l'agilité de merde pour faire l'interception, mais quand même. Ah, ici, on dirait qu'il tente une passe. Carrément, quoi. Ah non, il tente une passe au mec qui est juste là. Ça joue bien. Pas spectaculaire, mais ça joue bien. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré la balle de mes joueurs. C'était quand même risqué, je trouve, mais bon, ok, admettons. Ok, donc il se place ici, peut-être tenter une passe. Ouais, 5 plus sans relance. C'est chaud quand même. Ah bah c'est pas si mal, hein. Franchement, c'est pas si mal, hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Pas grand-chose. Eux, ils ont éventuellement assez de mouvement, mais il faut d'abord qu'on nettoie un petit peu le chemin. Alors déjà, là on va se relever. Lui, il peut courir. Donc il va courir. Hop, donc le plan, ça va être de blitzer avec lui. Pour essayer de le repousser et de marquer celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser celui-là. Bon, on le repousse juste, et bien ça fera le job. Voilà, comme ça on libère lui. On blitz avec un maître le paquet en espérant que ça passe. Parce qu'un seul gros ça passe. Ne suffit pas toujours. Et on poursuit. Voilà, donc au moins on est au contact. C'est pas ouf, mais c'est déjà ça de pris. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire ici. Alors, par exemple là. On pourrait bourrer celui-là avec un seul dé, c'est pas top. Là on a 2 dés, c'est mieux. Ah oui, on a blitz. On a blocage, pardon. C'est celui-là que j'aurais dû taper, c'est une erreur de ma part, tant pis. On va ramener un peu de renfort quand même ici. Là, on lui tatane son vampire. Oui, il a pas blocage, donc on y va. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire une petite agression avec notre hobgoblin sur du 8+, c'est pas top. C'est pas top. Non, ça me va pas trop. On va aller se placer là. Voilà. J'ai d'agression, il est de combien? Puis-je voir? Je ne vois pas. On va le faire. Il est déjà à terre. L'arbitre a dos tourné. Un peu de raisonnable. Bon, ça ne passe pas. C'est pas grave. Après tout, hein, il a essayé de me tronçonner mon mec beaucoup trop de fois.
Donc on peut bien essayer de lui piétiner un peu avant pire. Bon, sachant que tous nos nains sont là, hein, donc du coup... Bah ils sont pas ailleurs. Tout simplement. Alors, où est-ce que ça va jouer? Ici il y a 4 de force, donc même si Blitz devrait au mieux avoir un dé. Ce joueur préfère se battre entouré. Ah bah voilà, ça passe malheureusement. Bon, ça ira comme ça mon gars, ça ira. Ouais, du coup, ça se tente, hein, clairement. Tu crois que ce joueur dormait, ah. Bob? Lui, je sais pas. Moi, oui. Allez, re-rate. Que quelqu'un sera bien. Oui. Dès demain matin. C'est beau, ça. Parfait. Alors, du coup... Du coup... Comment on va faire? Du coup, on est toujours pas très serein non plus. Hein. Faut qu'on dégage ici lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va l'amener là. S'il te plaît. Voilà. Ensuite, on va dégager celui-là. On poursuit. Voilà. Comme ça, on peut lui amener un hobgoblin dans les pieds. Ça a toujours ça de prix. Alors ensuite, bon, on va pas ramasser la balle, hein, mais ce serait bien qu'on puisse aller se placer un peu derrière eux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va blitzer avec lui celui-là. Voilà, parfait. On dégage. On poursuit pas. Nickel, une petite blessure. Commotion. Et avec lui, on va aller se placer. Ouais bah ici hein, allons-y. Un petit mettre le paquet, ça se tente. Voilà. Bisous. Et avec lui on va aller se mettre là. Voilà, donc bon du coup on marque pas celui-là mais on protège la balle, donc pour l'instant on va s'en contenter. Alors ici là on a 2 dés du coup. On va le faire. Ça nous permettra de débloquer les autres. Comme ça, ici on avance. Ici on va rester là au contact des vampires, puis on va taper un peu sur du serviteur. Hein. Ouais, on a qu'un seul dé. Ça m'emmerde un peu quand même d'avoir qu'un seul dé. Allez, cogne. Si on arrive à sortir ses serviteurs, il sera emmerdé avec ses vampires. Bon, il y en a plein en rab. Ce joueur s'est écrasé comme une fiente de snuffling. Bon, bah ça tape mais ça perce pas trop les armures. Ici on protège la balle, j'aimerais bien l'éloigner, mais bon, l'éloigner avec des nains du chaos avec 2 dagés partout, c'est pas facile. Donc si déjà on arrive à l'empêcher de marquer, on va essayer de l'empêcher de marquer. Est-ce qu'il va relever celui-là? On dirait que non. On dirait qu'il stat. C'est l'heure de boire un coup. Alors... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, le blitz avec un dé, ça se tente toujours, hein, ça a marché les autres fois, donc il n'y a pas de raison. L'union fait la force, comme on dit. Ah, bah c'est raté. Enfin, c'est raté. Ouais, voilà. Faut jamais dire ça, parce que du coup je me prends un jet de blessure, c'est cadeau. Bon, du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... blitzer avec lui et puis on va essayer de ramasser la balle avec notre hobgoblin et de se barrer tout simplement. Bah du coup ça ne marche pas.
Donc on va poursuivre, oui. On va quand même, est-ce qu'on essaie quand même de ramasser la balle? On est sur du 3 plus sans relance. Ouais, au pire on sera pas trop loin. Bon, bah nickel, on va rester là. S'il veut y aller, il va falloir qu'il dégage mon mec. Ici. Ouais, ici c'est pas ouf. Là, on est pas du tout assez nombreux. Par contre, on peut peut-être s'occuper de dégager un peu des gens. On a que des 1D partout. Mauvaise configuration là. Malheureusement. Bah, c'est pas grave, hein. À un moment, on a 1D avec Blitz, faut y aller. Bon bah voilà. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et puis avec Blitz, faut que j'arrête de dire Blitz, c'est blocage cette compétence, je le sais très bien en plus, donc je vois pas pourquoi je dis tout le temps Blitz, excusez-moi. Beuh! Ici on a récupéré la balle, même si c'est pas ouf, ça veut dire qu'il faut qu'il me fasse tomber puis qu'il la ramasse. C'est déjà un peu mieux que juste l'avoir à la ramasser. Alors, oui non peut-être. Ça se passera non plus. Bon, visiblement il est plutôt là. Ah. C'est raté. Enfin c'est raté. Ce n'est pas top en tout cas. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Je pense que là il va réattaquer du coup. Bon là s'il fait rien de particulier on peut le pousser puis essayer d'éloigner la balle hein, un prochain tour. Bon en 3 tours c'est tendu de remonter tout le terrain. À moins de réussir à la passer un centaure, mais bon. Deux d'agile et centaure quoi. Il arrive à faire tomber mes nains, c'est bien triste quand même pour des nains de passer autant de temps par terre. Bon après c'est pas avec les mouvements qu'ils ont que ça change grand chose, hein. De toute façon ils pourraient pas aller très loin. Mais quand même. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Bon, il a réussi à coucher mes deux centaures. C'est un peu triste. Ah, et là c'est lui qui tombe par contre. Parfait, ça va me libérer un joueur ici, c'est nickel. C'est nickel. Ce sera déjà ça de fait. Alors, déjà, on relève les gens. Hop, debout. 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 Merci. Ici, on va blitzer avec lui. D'un coup, lui, on va le relever juste. Et là, on blitz. Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. C'est parti, on dégage un petit peu la route. Oui, on poursuit. Ouais, y a des défenseurs autour du ballon. Plus le porteur est libre de ses mouvements. Et le porteur, eh ben, il va se barrer un peu par là. Hop là, voilà. Histoire de faire un petit peu de place. Alors là, on peut taper. Donc ici, ce serait bien qu'on tape aussi. Mais on n'a qu'un seul dé, c'est un peu dommage. Donc on va se rapprocher un peu de la balle, bloquer un peu le chemin. En faisant un truc comme ça. Oui. On pousse sur le bord. On poursuit. Ce joueur est à deux joueurs de passer les portes de l'enfer. Bon, bah, il est sonné aussi, donc comme ça c'est fait au moins. Ici, là c'est mieux. Donc là par contre on le repousse et on reste. Pour aider le copain. Voilà. Ok, bah, juste. On va rester aussi. Bon, on n'est pas serein, hein, parce qu'il y a quand même eux là, qui peuvent faire un peu chier, on l'a vu.
Mais au moins, on limite un petit peu leurs chances de marquer. Nous, on est en défense sur ce tour-là, hein, donc on n'a pas non plus le stress pour remonter tout le terrain et puis marquer ce tour-là. Ne faisons pas n'importe quoi en tentant des trucs de fou pour rien. En plus, il reste quand même du monde encore en défense. Après, il a combien lui de mouvement? 6 de mouvement, ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ouf, ça fait mal. Plaquage du vampire. Qui ouvre une brèche dans ma défense si valeureuse. Je sens qu'on va se marrer! Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer! Bon, on a des joueurs ici qui peuvent venir aider, hein, donc. C'est pas trop le stress non plus. Ça a combien de mouvements les vampires? 6 de mouvement. Hein. Ouais, l'esquive avec un serviteur, ça peut passer. Sachant que j'ai aucune compétence en plus pour le choper. Istat quand même. Istat. Il sait qu'il a plus aucune relance. Il faut qu'on se relève et qu'on aille me coller le vampire. Ok, ils tentent pas. Parfait. Alors nous, on va se tenter un truc par contre. Donc déjà, toi, tu viens là. Voilà les copains. Toi, tu te relèves. S'il te plaît, merci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Alors, est-ce que je peux aller jusqu'ici? Voilà, il y a un mettre le paquet là, ça m'emmerde un peu. On va essayer de dégager ce vampire. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Et ça passe. Ça aide le porteur du ballon. Parfait, en plus il est sonné. Alors après la question c'est, est-ce qu'on peut faire une transmission sur ce monsieur? On tente, parce que pourquoi pas. Autant faire des jolies actions, hein, on est des nains. Allez, on trace. Donc là il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce serait pile poil au niveau des interceptions. Lui il peut y aller, lui il peut y aller, lui il peut complètement y aller. Donc on va essayer de se mettre un petit peu sur les chemins. On poursuit bien sûr. Alors ici on est sur un nain qui a 4 de mouvement, donc bah forcément ça pique un peu. Donc on va juste se contenter de marquer le joueur. Comme ça, eux ils peuvent y aller aussi, hein, donc c'est quand même, on est quand même pas trop serein non plus. On va mettre des tatanes. Parce que pourquoi ne pas mettre des tatanes? Voilà. Mettre des tatanes c'est bien. Tous les mecs qui ont 7 d'armure. Ici on va essayer de se débarrasser d'un joueur de plus qui pourrait faire chier. Voilà, en plus on va rajouter une zone de marquage, ce sera pas un mal. Bon là il va pouvoir aller faire tout ce qu'il veut, hein, me blitzer, me marquer et tout, mais c'est pas grave. Si ça échoue, bah tant mieux, on aura une possibilité de marquer. Lui de toute façon c'est mort, c'est son dernier tour, il ne pourra rien faire d'autre. On va voir si la contre-attaque aboutit. Ah, il ne tombe pas malheureusement. Ça se tient. Allez, rate ton esquive. Non, tu sens pas. Mmh.
6 joueurs. Oui! Oui, c'est beau! C'est beau! Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Là, pas grand chose. On peut venir marquer celui-là. Avec lui, est-ce qu'on peut blitzer là? On pourrait blitzer là. On va tenter, hein. Allez, go. Ouh, il ne fait pas bon se retrouver là. Oui, ça passe. On poursuit. Hop. Et puis on va pas tenter la chance avec des jets de dés. On va aller marquer direct. Oui, un petit 1-0. Ça fait plaisir. De ventre énorme. Bien joué, ventre énorme. T'as droit à ta double dose de sandwich après le match. Enfin, si t'as encore envie. Il était temps. Maintenant que le compteur est débloqué, le match peut enfin démarrer. Bon, il est sympa le mec en face, hein. il discute et tout, il est pas mauvais joueur. J'avais vu dans le chat que sur l'open ladder, des fois on tombait sur des mecs qui rage quittaient au bout de jets ratés et tout, enfin c'était un peu dur, mais bon là on est bien tombé, ça fait plaisir. Donc bah du coup il est de nouveau au complet puisqu'il a gardé, enfin il avait beaucoup de serviteurs. Nous on avait un hobgoblin HS, mais on avait un remplaçant, donc du coup on est bien. Alors, ce que je mets eux derrière pour ramasser la balle, franchement, 2 d'agilité, à aucun moment ils ramassent la balle, on va mettre les hobgoblins derrière je pense. C'est vrai que c'était une belle contre-attaque quand même, là, réussir à garder la balle comme ça et puis la renvoyer après, je suis assez content. Donc les nains, ils sont là pour cogner, on va pas faire dans le subtil. Les centaures taureaux, on va les mettre devant aussi. Hop, toi tu vas aller un peu derrière histoire d'accompagner là où il y aura besoin. Et puis bah toi aussi tu vas te mettre là par exemple. Allez, c'est parti. Alors comment ça se passe? Et on gagne une relance chacun. Parfait. Il faut de Halfling pour faire un bon ragout. Assez peu, j'imagine. Ce sont tous d'excellents cuistots. Il en faut 6, pas un de moins. Sinon, putain la vache, il a bien placé la balle. Hein. Bah c'est parti. On tape. Ah bah ça rate malheureusement. Pas grave. Bénéficie de soutien. Hop là, tatane. Là faut que je travaille mes placements parce que chaque fois je me gourre un peu sur le calcul des forces. C'est un peu dommage. Ici on va poursuivre un peu pour se rapprocher des vampires. Alors hop, on va aller se mettre autour au cas où. Il tente de rafler le ballon. Ici, on va commencer à rentrer un peu des gens dans la défense. Allez, un petit blitz des familles par là. Ça passe. On poursuit, on se met un peu au contact de tout le monde. Voilà. Ici on va se mettre au milieu histoire d'avoir un peu de souplesse en cas de besoin. Et puis bah toi tu vas tenter un ramassage, hein. Allez c'est parti. Ça y est, il a ramassé le ballon. Bien joué. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Bien wesh. Du coup on va raison de plus se rapprocher un petit peu par là. Et on est pas mal.
Alors. Il vient au secours de ce joueur. Ça va faire mal. Bon, un match qui se joue pépère, hein. On n'est pas sur du furieux du clic. C'est vrai que ça fait quand même vachement de serviteurs avec seulement deux vampires. C'est quand même un parti pris quoi. Je sens que ça va me plaire. Ok, il fait une infiltration par là. Se battre entouré. Ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'il va tenter? Il repousse. Ah, il repousse. C'est sûr, hein, j'ai 9 d'armure, il a 8. Il a quand même plus de chances de rater son jet. Du coup, il va pouvoir s'infiltrer. Non, il tente pas. Un petit peu de soutien ici contre le centaure également. Ça sent la bonne grosse empoignade. Est-ce qu'on pourrait passer? Ah, cette fois ça passe. Des fois, faut bien qu'il réussisse déjà quand même. Au centre, c'est presque le plus intéressant en fait. Je suis en train de me dire. On va voir. Ouais, il sera bas un peu par là quand même. C'est le moment de vérité. Ah, il fait tomber le nain avec un vampire à qui manque de un serviteur à qui manque de litres de sang. C'est quand même triste. Bon, on va voir jusqu'où tu peux aller, toi. Ouais, tu peux quand même bien te recentrer. Tu peux aussi aller par là, c'est pas si mal. Là, on va avancer. On va se replacer là, sur sa tronche. Toi, tu te relèves. Ici. On va se mettre là, de nouveau. Ça sent la bonne grosse empoignade. Alors, nous, on va jusqu'ici avec la balle. Avancer, histoire de pas. Enfin, si on rate déjà et tout, au moins on sera à peu près serein. On va faire une sorte de mini cage de cette façon là, par exemple. Ici, il faudra du renfort quand même à lui là. Mais c'est pas facile. Toi, tu peux aller jusqu'où, toi? Ouais. C'est pas top, hein. Ici, on a plein de nains qui font rien, ça qui m'emmerde un peu. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Du coup, ouais. Du coup. Ouais. Pardon. Là, on voit la différence. Le problème des nains, hein. ils sont lents. Voilà, c'est des nains. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Hop, là, on repousse. On reste. Ici, on va avancer pour faire un peu chier le vampire. Ici, on va se placer là pour faire un peu chier ceux qui voudraient passer par là. Et là, on va pas faire de jet, on va laisser une ligne ici pour éviter qu'il traverse, que je me foire et que ça fasse un gros trou dans la défense. Bon, là, il y a du mur de nain, ça reste quand même difficile à percer, hein. Même pour des vampires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il apporte du renfort ici. Il vrai qu'ils ont que 3 de force les nains, faut que je m'en souvienne. Les Minotaurs ont 4, mais eux ils ont que 3 de force, donc ils peuvent quand même relativement facilement être en surnombre. Enfin, on surnomme contre eux, bien sûr. On a sorti deux mecs et il a encore un remplaçant. Donc là, il va lui taper dessus. Avec qui? Avec le vampire? Non, avec un serviteur. Ça ne passe pas, c'est cool. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. Il voulait libérer son vampire, visiblement. Ouais, le 4 d'AG, 2 d'esquive, ça pique quoi.
Il a raté ça. Non, il a pas joué. Je me demandais s'il avait raté sa soif de sang, mais. Ah bah si, il a raté sa soif de sang, apparemment. Pas de chance. Non, il a utilisé une relance, mais non, les joueurs viennent au soutien de leur coéquipier. Ah non, ok, c'est qu'il peut bouger avant d'activer sa soif de sang. Okay. Mon résus préféré. Je me demandais comment ça se fait qu'il avait pas utilisé de relance et que pourtant il bougeait, quoi. Et il a mis KO son propre serviteur, c'est cool. Un peu des jets comme ça qui échouent, là. Ça fait plaisir. Ça serait encore mieux s'il blessait, bien sûr, mais bon. Donc ici, il est encore très nombreux. Mais il a qu'un seul vampire pour nous empêcher de passer. Et on a peut-être encore, pendant quelques temps, un minotaure avec. Un centaure avec 4 de force. Donc là, il va essayer de pousser, voilà. Ça passe, malheureusement. La balle n'est pas encore trop menacée, mais ça va pas non plus être facile de la faire passer, quoi. On va peut-être pouvoir faire un truc comme ça, on va voir. Ok, alors déjà, toi tu te relèves, tu feras pas de blitz, toi tu te relèves, tu feras pas de blitz. Ici, on peut blitzer ça un dé. On peut tenter de s'infiltrer, mais c'est de la merde. On peut tenter de passer lui là. Ah mais non, il faut que je fasse une esquive, je suis con. C'est pas ouf. C'est franchement pas ouf tout ça. On a qu'un dé. Bon déjà on va avancer un peu pour protéger un peu la balle. Et ici on va tenter du coup un petit blitz pour dégager le chemin. Non mais il faut jouer collectif. Enfin pas moi, mais vous aussi. C'est un rock, un cap, que dis-je, une péninsule. Donc là on a dégagé le chemin pour éventuellement passer derrière. Sachant que voilà, hein, faut encore réussir à passer derrière. Ici il y a beaucoup trop de monde. Ça pourrait être intéressant éventuellement de venir se mettre là, mais faudrait qu'on arrive à dégager des gens et ça va pas être facile. Donc toi de lui il a que 4 de force. On peut ramener du renfort, on va le faire. Essayer de repousser un petit peu le vampire. Allez les gars, tous ensemble. Oui ça passe, nickel. On poursuit. Voilà, donc on va venir se mettre. Alors ici on est au contact d'un gars, donc c'est un premier but. On va venir se mettre là, tant pis, c'est contre le bord du terrain, j'aime pas trop l'idée, mais. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir. Voilà, c'est pas dingue, mais c'est pas grave. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Boum. Voilà, là on a dégagé lui, donc du coup, on va pouvoir. Ramener du renfort à notre cage. Voilà. Normalement, ça devrait être à peu près bon, sauf s'il arrive tous ses jeux dans une frénésie de peau. Ici, j'ai pas tapé parce que je veux que lui, le forcer à faire un jet si jamais il veut libérer son vampire là. Il a que deux vampires, donc si je les fixe, je prends pas de chance. J'essaie de les garder fixés, quoi. La soif de sang passe. Deux d'esquive, hein, forcément. Voilà quoi. Ouais, vas-y, tente ça. Bon, t'as 4 relances donc tu peux en même temps. Ouais, ça c'est un peu dommage par contre, effectivement. Il va falloir qu'on voit comment on peut gérer ça. Ce joueur va se prendre un coup dessus. Ah.
Ça, c'est bon ça. Vas-y, tape lui dessus. Pendant ce temps-là, tu tapes pas ailleurs. C'est comme ça qu'on dit. En même temps, ouais, voilà, il va essayer de mettre du surnom sur mes nains, j'imagine. Bon, les nains sont quand même assez durs à sortir hein, avec crâne épais et 9 d'armure. Je préfère qu'ils se focusent sur mes nains plutôt qu'ils essayent de se barrer là et qu'ils soient éventuellement en position de me faire chier plus tard en fait. L'union fait la force, comme on dit. Et il fait un bon compromis en se mettant de ce côté-là. C'est ben ouais. Alors, il va essayer de se poser dans la mêlée. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Ce joueur préfère se battre entouré. En même temps, ouais, là, pour pousser du nain, faut être en masse. Il poursuit pas tout simplement parce que comme ça il reste libre d'éventuellement me courir après si jamais j'arrive à passer. Ce qui veut dire que moi je vais bien entendu revenir au contact. Alors, et là, il va réussir à venir au contact de la balle. S'il poursuit, qu'est-ce qu'il fait? Non, il poursuit pas. Ok, très bien. Ah merde, ça par contre, c'est chiant. J'aurais bien aimé pouvoir lui taper dessus. Ouais, s'il me pousse là, ça va. Je vais pouvoir au moins taper sur celui-là sans être trop emmerdé. Ah, il poursuit. Très bien. Alors là, c'est ouais, y a quand même un sacré tas d'enfoirés. Un sacré gotha d'enfoirés. D'ailleurs, j'ai complètement oublié qu'il y avait lui derrière là. Donc on va le rapprocher. Ici, on va se relever pour faire la marque. Voilà. Ici aussi. Alors ici, comment on peut faire? Là, on a 2 dés parce que lui nous donne un de force. Donc on va y aller pour faire un petit peu d'air. Ça peut faire très mal. Voilà, on poursuit bien sûr. Faut virer les couches externes pour arriver à ce qui est bon. Donc du coup, par contre là, toi, tu vas aller là. Toi, si tu essaies de passer, ça serait de la merde, forcément. Faudra que j'arrive à blitzer lui. Mais c'est quand même tant d'axes. Si j'arrive à me débarrasser de lui, le problème c'est que si j'arrive à me débarrasser de lui, c'est à dire qu'il faut que je blitz, donc c'est un peu tendu aussi. Enfin, c'est à dire qu'après je ne blitz plus quoi. Ouais, 4 d'esquive, c'est chaud 4 d'esquive. On va avancer. Tant pis, on va y aller dans le tas, c'est pas grave. On n'est pas pressé, hein. Il nous reste encore quelques tours, faut surtout qu'on arrive à donner un petit peu d'air ici là. Voilà, par exemple en faisant un truc de genre là. On ramène du renfort. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Ici, je vais pas trop avancer. Ça m'emmerderait de me faire sortir un nain aussi facilement. On va plutôt aller par ici. On va rajouter un petit peu de force dans la mêlée. On a du temps, hein, on est que tour 12, c'est pour ça que je ne vais pas tenter des trucs de dingue en tentant des esquives qui ont toutes les chances de rater alors qu'on a quand même on est quand même beaucoup plus fort physiquement. Même s'il a le nombre, enfin encore il a le nombre, même pas tant que ça, hein, mais. En termes de force physique, d'armure et tout, il y a quand même plus de chances que ses serviteurs commencent à craquer avant que les miennes craquent. Il va se faire aider, cette espèce de... d'assister, va. Ok, là il blitz... Moab Gobelin. Très bien, c'est au moins ça qu'il ne blitzera pas. Il va essayer de le sortir avec son vampire, parce qu'il n'est pas con du tout. Allez, on pousse encore. Très bon mouvement, je trouve.
va tâter du fan de plus près. Ouch. Ah, ventre énorme, c'est dommage, c'est celui qui avait marqué. Alors, qu'est-ce qu'il a comme blessure? Une commotion. Voilà, tant mieux pour toi. Tu ne remarqueras pas ce match-là, du coup. C'est bien dommage. Et j'imagine qu'il va me pousser sans me poursuivre. Ouais, voilà. Il essaie de garder sa ligne de défense. J'ai pas suffisamment de mobilité pour essayer de repartir de l'autre côté, quoi. Enfin, j'ai autant de mobilité qu'eux, en fait. Ce qui veut dire que moi, je vais devoir faire un grand tour alors qu'eux, ils peuvent quasiment se déplacer en ligne droite. Du coup, j'étais un peu tendu. J'étais un peu tendu si je tente des trucs, si je tente de contourner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Alors, il fait des 6 sur sa jet d'esquive. Forcément, ça passe. On se rapproche doucement là, hein. Avec son mouvement, il y a un moment où il va commencer à pouvoir faire le tour par derrière. Que je fasse gaffe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Une agression? Non, tu ramènes du renfort pour le prochain tour, je ne sais pas. Ce qui est dommage, c'est que les centaures aient que 6 de mouvement. Quoi. On a quand même vu avec un petit peu plus de mouvement sans être des centaures. Alors, ici on se relève. Non. tu te relèves sur place, merci. Ça suffira bien. Toi, tu peux aller jusqu'où? Tu peux retourner fixer lui, tu vas le faire. Voilà. Toi, par contre, tu vas aller faire un peu chier le monde de ce côté-ci. Ici, est-ce qu'on a 2 dés? Oui. Hop là. On va se rapprocher du vampire. Petit à petit. Alors ici, je pense qu'on a un dé partout. Hein. Ouais. Toi, tu vas aller là. Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Pour est-ce ça, qu'on pourrait blisser avec le porteur de balles? Oui, mais ça serait de la merde. Là, il y a un mec. Ouais, là, y a un mec. Bon, on va essayer de faire tomber un peu tout ça. Si on peut. Il fait maintenant pleuvoir les veines dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Voilà, ça c'est mieux ça. C'est de la merde quand même, mais c'est pas grave. Tous ces joueurs qui se tournent les pouces. Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Hop là, alors là, est-ce qu'on peut blitzer? C'est tout toujours aussi pourri, forcément. Tant pis, on peut blitzer un vampire ici, sinon, hein. Ça a soldé malheureusement, mais ça reste un dé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Notre porteur de balles, de toute façon, il fera pas d'autres miracles. Hein. Ici, il doit se taper voilà, masse de zones d'esquive. Donc il faut qu'on arrive à faire tomber ce vampire. Si je me mets là, c'est complètement con. Sinon, je le blitz à moins de dés, mais bon. Non, c'est pourri ça. Il faut qu'il reste là au cas où machin là il fasse chier. On va essayer de le faire tomber lui déjà pour enlever la menace. Allez, on va faire ça. Parfait, ça passe. On reste. Hop là, dégage. Et on retourne lui faire des jets. Et ici on va rester en mode semi-cage là. Ce sera parfait. Allez, on se rapproche case par case, c'est pas facile, mais bon là déjà on commence à être un peu mieux placé pour faire tomber le vampire et puis libérer un peu la place. Jusqu'ici c'était ça qui pêchait, hein. Clairement. Pour un premier match il est un petit peu long, mais bon c'est sympa, le mec en face est cool.
Je veux pas me plaindre. Alors, est-ce qu'il réussit? Non, ouais, bon là il va être au contact, je pense qu'il va me suivre pour être au contact de la balle. Ça paraîtrait pas déconnant. Ah, il sait pas quoi faire. Si je choisis. Non, il poursuit pas. Oui, il me remarque, hein, comme ça, ça limite les gens qui peuvent taper sur son vampire. Je suis pas con. S'il arrive à repousser mon Minotaure, ça veut dire que bah ça fera. Enfin, il faudra que je blitz si je veux me rapprocher de lui, donc du coup, ça a du sens. Hein. Alors, là ouais, c'est risqué quand même, mais ça se tente effectivement. Ah, bien joué. Je l'avais pas vu venir celui-là. Tous ensemble. Ah, ça par contre c'est un peu plus ballot pour toi. Ah, ça c'est mieux. Alors, où est-ce que tu repousses la balle? Sur le vampire. Ah bah oui, lui il va pouvoir taper là derrière. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et on a Damien qui est sonné, malheureusement. Ah là, il va pouvoir taper sur la balle, c'est pas con. On va voir s'il décide de le faire ou pas. Je sais pas trop... Il va peut-être être à 2D, non, lui est arrêté. Non, il devrait être qu'à 1, normalement, on devrait être à 3 contre 3. Nuviru. Ah, ça aurait été intéressant qu'il rate son jet là, parce que du coup, son jet de soif de sang, parce qu'il y avait personne à côté pour lui filer sa dose. Bon, il aurait attaqué un de mes joueurs du coup, ce qui n'était pas forcément idéal. Alors, comment on va jouer ça? Du coup, ici, on a un dé, ici, on a un seul dé, ici, on a deux dés, ici on se relève. Ici on a 2D, on tape. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? C'est pas top, mais c'est toujours ça de prix. On poursuit. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Ici on a une esquive à faire, donc non. Ouais. Là on aurait un dé, ici on aurait un dé. Comment on peut faire ? Ici on est vraiment beaucoup trop en sous-nombre, malheureusement. Non, bah il faut que ce vampire tombe. Hein. Allez, on y va. Parfait. Ici. Et. On reste. Comme ça, le ballon est moins menacé. Du coup, là, on peut blitzer. Ouais. Ici, on a toujours rien comme soutien, donc on va aller ramener un peu de renfort. On a 2 dés là, on va essayer de le faire tomber lui aussi. Parfait. On va poursuivre. La du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, ni le porteur du ballon. Là on trace. Sachant que voilà, hein, le vampire peut nous blitzer. Là il y a une zone de tac, mais c'est pas ouf. Toi, tu peux pas faire de miracle non plus. Je vais essayer de blitzer au moins. Ah, malheureusement, ça ne donne rien. Donc tu vas rester. Et tu vas aller te poser là pour faire un peu chier. Voilà. Et puis bah ici... Ici on va taper là un dé avec blocage, parce que c'est moins risqué. On va l'envoyer dans les pattes de l'autre là. Voilà, et comme ça on se donne 2 dés sur le vampire. Ah bah non, malheureusement. Ça ne passe pas. Donc là, mine de rien, il fixe quand même un nain et un centaure. Hein. C'est
C'est quand même pas neutre. Bon là, voilà, hein, c'est vraiment... J'essaye. Normalement, en 3 tours, même s'il arrive à me défoncer, je peux pas revenir. Je peux pas retraverser le terrain et marquer, je ne pense pas en tout cas. Je peux être surpris, mais je ne pense pas. Donc, l'un dans l'autre, ça me paraît pas mal. Alors là, deux mises de paquet, soif de sang qui passe, ça passe pas. Et ça ne repasse pas. Et en plus, il est sonné. Bon, bah, je vais pas stalker. Est-ce que j'ai des jets de dés intéressants à faire? Et si je peux me prendre 2 dés sur un vampire? On va quand même le faire au cas où. Voilà. Et comme il dit, désolé, je suis long à jouer, c'est pas ma partie. Ah, c'est vrai que là, que des 2 plus avec des vampires, là, rater tout ça, c'est quand même triste. Ah, merde. Ça, c'est triste par contre. Bon, on va pas. On va assurer le 2-0, ce sera propre. Ouais, magnifique offensive. Smux le sournois qui se faufile à travers les lignes ennemies. Bravo Smux. Donc est-ce qu'il récupère son KO? Oui, bon en même temps il avait encore du remplaçant. Nous, nos blessés sont blessés. Nos KO, on n'en a pas. Alors, on se met en défense. On se met en défense. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller ici. Voilà, bon là on est bien en défense normalement. C'est parti. Alors, deux tours sur des très bons jets en courant comme une brute, en faisant des mises de paquets. Il peut y arriver. Ça me paraît chaud quand même. Hein, il y a 6 de mouvement, les vampires ils ont 6 de mouvement, mais bon, ils peuvent réussir des belles esquives un peu partout quand même. Bon, on a eux derrière avec 4 de force pour assurer des blitz en cas de besoin. Je pense que ça devrait le faire. Même s'il arrive à marquer, on sera à 2-1, hein, ça sera pas non plus ouf. On va pas prendre de risque cette fois, on va y aller comme ça, voilà. À mort l'arbitre! Chaque équipe gagne un pot de vin pour cette partie. C'est vrai qu'il a pas du tout utilisé son pot de vin, du coup c'est un peu dommage. Enfin pour lui, j'entends. Ok, donc on a un pot de vin. On a une relance, un pot de vin, pour essayer de massacrer du vampire. Ce joueur va se prendre un coup dessus. Premier jet, ça foire quoi. C'est triste. C'est quand même triste. Hop là. Donc là il veut faire un trou dans ma défense directement. Pourquoi pas? Ah, les joueurs viennent au soutien de leur coéquipier. Ça ne marchera pas. Ouais, c'est chaud, hein. La balle est quand même plutôt bien tombée pour moi. Allez, c'est parti. Toujours risqué de tout donner pour piquer un sprint. Ouais, j'avoue, il tente le sprint là. Bon, après, il est bien placé pour marquer s'il arrive à récupérer la balle. En un tour, récupérer la balle là, ça me paraît quand même chaud. Faudrait que je mette mon 1 plutôt par là en fait. Pour limiter un peu les trous dans ma défense. L'attaquant bénéficie de soutien. Sauf que c'est jet de passe, donc c'est un peu triste. Bon là il faudrait qu'il fasse quoi? Un truc du genre il prend ça, il passe à son vampire trace et puis il fait une transmission. On pourra pas le faire ce tour là. Oh, ça peut faire un beau mouvement hein, mais j'y crois pas quand même. Ça me paraît quand même un peu chaud.
L'équipe est en possession du ballon. Ok, donc il la ramasse. Parfait. Alors il fait une passe à lui. Une passe de la dernière chance. Et ça rate malheureusement. C'est Dieu qu'elle lui sauvera la peau avant le coup de sifflet final. Alors, à moi. On va relever les gens. Alors ce qui serait cool, ce serait de faire tomber son vampire. Puis de lui agresser la tronche. Enfin, ça serait cool. Histoire de profiter de notre pot de vin éventuel quoi. Ah oui, une petite blessure, parfait. Un petit peu d'XP pour terminer là. Donc là, on rush dessus. On le fait tomber, parfait. Bon, on a personne pour faire l'agression, mais au moins il est tombé. Alors, est-ce qu'il me peut agresser ici? Allez, go, c'est parti. On a un pot de vin, on peut se permettre d'agresser avec un nain, pas de problème. Ah bah non, malheureusement il est juste sonné, c'est pas grave. Alors, ici on peut taper, on va taper. Avec un dé, hop, c'est parti. On poursuit, hein, on va marquer les gens pour éviter des trucs de fou de la dernière chance. Là on va ramener lui là. Et là on va amener lui là en soutien un peu aussi pour éviter que le vampire ne passe trop facilement. Voilà, donc là soit il tapait avec lui avec des dés pourris, soit il tapait avec son vampire, mais du coup son vampire ne peut plus bouger derrière. Donc c'était le but. Ce joueur préfère se battre entouré. Bon du coup c'est vrai qu'il a eu deux pots de vin et il les a pas utilisés. On a réussi à sortir sa tronçonneuse avant qu'il ait besoin de ses pots de vin et du coup il les a plus du tout réutilisés. C'est dommage hein, parce qu'il avait quand même pas mal de serviteurs de Rab, il aurait pu faire plus d'agressions que je pense. A sa place j'aurais été un peu plus agressif. Clairement, bon après contre les nains c'est difficile avec le 9 d'armure mais... Ce joueur a semblé-t-il oublié ses mains au vest. Ah bah non, ça ne passe pas. Après un match pareil, il faut que je change de sous-vêtements. Bob, prends le relais le temps que je... Hop là. Bon bah ça c'est fait. Je sais pas c'était quoi ce game not fun à la fin là. Alors, on a fait un 5, bah parfait, c'est nickel. Donc la popularité monte un peu, alors... Et c'est Zmaris le stupide, l'homme du match. Nickel. Bravo, beau match. Du coup... On n'a pas de montée de niveau malheureusement. Smux là, Smarux il est à 5 sur 6 du coup. 4 sur 6 ici c'est pas mal. Lui il a fait 2 blessures, c'est propre. Bon bah c'était un match plutôt cool j'ai trouvé moi, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ce match vous aura plu en tout cas. Et puis bah j'espère qu'on se retrouve très vite pour un nouveau match. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.